Bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps pour ce jeu Slime Isekai Memories. Comme vous le savez, le jeu est bien, mais un petit peu redondant. Du coup, maintenant, j'attends que les mises à jour des portails, je farm un peu en off. Je ne me connecte pas tous les jours parce que je n'ai pas envie de me monter la tête pour un jeu mobile. Du coup, on se met bien, on se met tranquille, chill, à l'aise. Installez-vous bien les amis, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et le temps que le téléchargement se termine, on va directement les amis vous parler des nouvelles unités qui ont été annoncées sur leurs réseaux sociaux, Limul Dark, et on va également parler des news concernant les futurs persos qui ont été leaks sur le Discord. Il y aura un petit switch de scène, ne vous inquiétez pas là-dessus. Sur ce, on se retrouve de suite après le téléchargement, ou sinon, quoi, pendant le chargement, on va parler de ce qu'on a eu. Je vais découvrir en même temps que vous parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur le Discord. Vu qu'en ce moment, je suis focus sur le streaming sur Twitch. D'ailleurs, venez me suivre sur Twitch. Je live tous les jours. Ouais, j'ai changé mes horaires. Je live, ne vous inquiétez pas, tous les jours sur ce que j'aime. Du coup, ça peut aller sur du gacha comme sur du FPS. Du coup, les amis, la chaîne Twitch sera disponible en barre de description et on part directement. Je parlais des leaks et toutes les infos qu'on a eues. Ok. Du coup, le temps que le téléchargement se termine, voilà ce qu'on a eu. Alors, on va monter Dark Limul et sûrement le prochain. Ouais, il l'avait dit, ça je l'avais déjà lu. Ça, je l'avais lu aussi. C'était. Voilà, du coup, l'enfant de Limul, le fils ou la fille, le fils ou la fille de Limul. Je crois que c'est une meuf, ouais, c'est une meuf, sera jouable. Il a été data miné. Et Carillon ne sera pas un perso droppable dans les invocations, ce sera juste un perso du mode histoire. C'est sûr que dans un futur, d'ici, je pense, fin hiver, il sera disponible chez nous, bien sûr, à la vitesse où ils sont en train de bombarder les portails, vu qu'on en a un tous les 7 à 10 jours. Ben, vous savez maintenant quelles seront les prochaines unités. Du coup, il y a quoi d'autre? Voici toutes ses compétences à Cynthia. Cynthia qui est la fille de. La fille de. Comment elle s'appelle? De. Comment il s'appelle? De Lemuel. Et. Alors, ils ont la quoi? La quoi comme buff? Bon, pour le moment, il n'y a pas trop de trucs. Bon. De toute façon, là, il n'y a pas eu beaucoup de leaks entre-temps. On sait juste que ce sera une combattante, que Carillon sera un perso du mob histoire. Et maintenant, on décale directement ici. Parce que c'est plus important. Je ne vous mens pas que... C'est pas contre vous, les gars. Hein. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas démarré le jeu. Très 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 très, très longtemps. Ça doit faire 4-5 jours. C'est pas par ennui, mais c'est juste c'est devenu trop lourd de refaire tous les jours la même chose. Genre, vu qu'il n'y a pas encore de PVP, et je me dis que ça sert à rien de se forcer quoi. En plus, j'ai une grosse quantité de popo pour un T4 quand je ferai un live dessus, mais pour le moment chill tranquille comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors ok, pas grand chose ici à part le ticket, il n'y a pas grand chose. Et la multi invocation sur ce portail. Ça, on va récupérer ça plus tard.
Et on va aller voir cette fameuse unité, ce qu'elle fait. On a vu son attaque spé, elle m'a l'air stylée. J'ai oublié de récupérer ça aussi. Du coup, au total, j'en ai 11. En espérant que je drop sur l'une des 11. Mais bon, vu le taux de drop qui est un petit peu trop bas et qu'il faudra attendre sûrement 1 an, voire 2 ans avant de voir un taux de drop augmenter, ça va faire mal. Ok, il y a quoi? Il y a des trucs ici? Non, il n'y a rien. C'est parti, allez. Bon, là, on va rien avoir du coup. Là aussi, on va rien avoir. Ah oui, c'est, je vous avais dit qu'on allait voir ce qu'elle fait. Je suis débile. Dans tous les cas, j'en ai fait 2, c'est pas grave, c'est pas un truc de fou. Alors, qu'est-ce que le perso fait? Il détaille. Il frappe en zone avec l'ultime, améliore son taux de critique de 80% pendant un tour et les dommages critiques de 15% pendant 2 tours. Ok. Dodge, ok, bon, ouais, c'est pas un truc de fou. Et après, c'est 90%. C'est cheaté, on pourrait dire que c'est cheaté. Et increase. Ok, ouais, c'est pas mal. Ça améliore les âmes de protection divine de 10% pendant un tour. Ça va, c'est correct, c'est cool. Ok, c'est parti. Ouais, on n'a pas grand-chose, hein. Je pense pas que je vais avoir beaucoup. Que je vais avoir ne serait-ce qu'un 5 étoiles sur ces 11. Single. Je sais pas comment vous faites pour drop la suite d'ailleurs les gars hein, sur les. C'est un truc de fou hein. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont été, c'est parce que les free to play, une fois qu'ils ont terminé le mode d'histoire, ils ont plus rien à farmer à excepté les quêtes quotidiennes. C'est malheureux. C'est trop redondant, c'est trop lourd se connecter pour que faire ça et répéter ça tous les jours. On a l'impression de faire un retour chez Macha, quoi. Ouais, c'est pas fameux. Même pas un 4 étoiles, hein. Normalement, sur l'un des 3 prochains, je devrais drop au moins 4 étoiles. Peut-être, peut-être. Eh ben non. C'est incroyable, hein? Ah ouais, pas de suspense, les gars, je fais que skip, c'est pas comme sur DBL. C'est pas contre vous, les gars, hein, mais c'est trop, c'est trop. Le taux de drop est beaucoup, beaucoup trop bas. J'ai fait énormément de Nilki, énormément de single. Certes, j'ai 2 bonnes unités ici. Là, j'ai Veldra, Diablo, Gazelle. Certes, je crois qu'elle est niveau 88. Ouais, elle est niveau 88, 84. J'ai eu un doublon sur elle, je crois aussi. Si j'ai pas de bêtises, c'est vrai, 84. Mais bref, c'est pas. Pour le nombre de multi qu'on a fait, réellement, je dois compter au total 20 multi. Hein. On va dire 200 pools. On va dire plus de 200 pools. Parce que j'ai fait plus de singles que de multi. Vu que toutes mes unités que j'ai drop ici, là, juste ici, ça a été en single gratuite. Imaginez un peu. Alors, ici, il y a quelques. J'ai drop. Sans single, non, pas ça. Je drop en single. Je sais que j'en ai drop quelques-uns ici en single, mais je sais plus lesquels. Mais sinon, le reste, j'en ai drop en multi.
Veldra, Diablo et tout, je les ai drop en multi. Mais je sais que le minime terre, j'ai dû le drop en single, je crois, si j'ai pas de bêtises. Du coup, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, les amis. Je vais vous donner mon avis dans une future vidéo concernant ce jeu. Ça sera d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire mon point de vue personnel. C'est sûr qu'on partage pas tous le même point de vue, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Sur ce, les amis, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et bonne chance à ceux qui vont invoquer sur l'Emile Dark.